m'appelle Jean-Marc Jézéquel, je suis professeur à l'Université de Rennes et je dirige actuellement l'IRISA, qui est un grand laboratoire d'informatique en Bretagne qui rassemble environ 750 personnes. Qu'est-ce que l'ingénierie du logiciel aujourd'hui ? Nous nous plaçons dans un contexte de systèmes complexes, comme la réalisation du logiciel pour un avion moderne comme l'Airbus A380 ou l'A350, la création de logiciels pour des voitures. Aujourd'hui, on sous-estime probablement la quantité de logiciels qu'il y a à l'intérieur de systèmes comme ça. On voit que dans une voiture, même moyenne gamme, on trouve 61 processeurs. Un processeur, ce sont des Electronic Control Units. Alors, ce n'est pas tous des processeurs hyper puissants, mais c'est quand même des processeurs avec des tas de bus, des tas de moyens de communiquer, des tas de messages échangés, simplement pour le contrôle du véhicule, rien que 50 mégaoctets de mémoire, 2000 fils individuels, et plus de 4 km de câbles à l'intérieur du véhicule. Autre exemple de logiciels de grande taille, ceux qui sont fournis par Google. Vous savez que les services de Google fonctionnent à très très large échelle, et pour ça ils ont besoin d'un très grand nombre de serveurs répartis dans une trentaine de data centers au travers du monde, avec une très très grande puissance de calcul qui permet de faire fonctionner un grand nombre de services, dont Google Earth ou la recherche sur le web. Par exemple, cette recherche sur le web a pour objectif de répondre à plus d'un milliard de requêtes par jour, qui interrogent environ 10 milliards de pages web et qui doivent répondre en un cinquième de seconde. L'essentiel de la base de code de Google est open source. Et en 2018, Google a publié des chiffres montrant qu'il y avait à peu près 1 milliard de fichiers avec une histoire d'approximativement 35 millions de commits, c'est-à-dire de modifications enregistrées les unes à la suite des autres dans les 18 années d'existence de Google. Le dépôt qui contient tout ce logiciel contient 86 téraoctets de données, ce qui inclut à peu près 2 milliards de lignes de code, on parle de milliards de lignes de code ici, dans 9 millions de fichiers sources uniques. Autre exemple sur une autre dimension de passage à l'échelle, Samsung, qui a actuellement à peu près 1,5 milliard de téléphones, de smartphones en circulation et qui en produit à peu près 300 millions de plus par an. Ces téléphones fonctionnent avec des milliers de variantes logicielles qui ont un temps de mise sur le marché très court. Donc là, le problème, c'est de gérer en cohérence l'ensemble de ces variantes. Ce que c'est qu'un logiciel, c'est effectivement un mot que tout le monde emploie. À mon sens, il recouvre 5 aspects différents. Un aspect algorithmique, un aspect information, un aspect langage, un aspect machine et un aspect but utilisation de ce logiciel. Je vais développer un petit peu ça. Donc un algorithme, ça, les gens voient à peu près ce que c'est essentiellement une recette de cuisine ou bien quelque chose qui permet, compte tenu d'un problème, d'arriver à une solution. Donc c'est décrit de manière formelle ou informelle. Ensuite, on a la notion d'information. La notion d'information, ce sont les données qui sont manipulées par les ordinateurs et donc qui doivent être décrites, la structure de ces données doivent être décrite à un moment donné. Pour faire ça, on a besoin de langage. Donc les langages, ce sont les langages de programmation, Java, C++, JavaScript, PHP, R, etc. Ce sont des exemples de langages qui permettent d'exprimer des algorithmes et des structures de données. Mais tout ça n'existe pas de manière éthérée. Pour pouvoir s'exécuter, un logiciel a besoin d'une machine. Alors une machine, c'est un terme générique pour désigner des réalités extrêmement différentes. Ça va de très petites choses, comme par exemple un Raspberry Pi, cette chose-là, là, qui est un processeur avec finalement un mini-ordinateur qui tient sur une petite carte. Une machine, c'est aussi un téléphone portable. Ce qu'il faut voir, c'est que le téléphone portable, ce n'est pas juste lui, il est connecté par le réseau à tout un ensemble et toute une infrastructure, et quand vous lui demandez un service, par exemple, vous demandez une reconnaissance vocale, en général, ça va jusqu'aux ordinateurs de Google ou d'Apple qui sont localisés quelque part et qui vous retournent la réponse. Donc la machine, ce n'est pas juste lui qui a un terminal et une passerelle, c'est tout un ensemble de choses bien compliquées qui sont ce qu'on appelle le cloud. Mais c'est aussi des machines qui existent dans notre monde, des robots, des drones, des choses comme ça, sont des machines. Et le réseau qui permet de communiquer, est de ce point de vue-là, fait partie de la machine. Donc ça, c'est le quatrième aspect. Puis le dernier aspect, c'est quand on fait un logiciel, c'est qu'on a un but. Et dans l'idée, on a des utilisateurs. C'est-à-dire on a des humains, en général, qui vont utiliser ce logiciel-là dans le cadre de leur métier, de leur activité, de leur loisir, pour une raison X ou Y. Et ça fait le cinquième aspect de ce qu'est un logiciel. Même sur un petit morceau de logiciel, pas très gros,
il y a des propriétés qui sont considérées comme indécidables, c'est-à-dire dont on ne peut pas prouver qu'elles sont vraies ni qu'elles sont fausses, hein. Et des choses très simples, comme savoir si une variable a une certaine valeur, ou si on va passer par une certaine instruction, ou si on va faire une division par zéro à un moment donné, ne sont, dans le cas général, tout simplement pas prouvables. D'accord ? Donc c'est une limitation intrinsèque de ce qu'est un logiciel. Ensuite, on a une deuxième dimension de complexité qui est liée, qui n'a rien à voir avec la première, qui est liée à la taille de ce logiciel-là. C'est-à-dire que quand on a un petit logiciel, un être humain est capable de le comprendre dans son intégralité, mais rapidement, quand le logiciel grandit, on n'a plus le moyen de le comprendre. Et il faut savoir que les logiciels grandissent d'à peu près un facteur 10 tous les 10 ans, avec une caractéristique qui est que ces logiciels sont constitués de centaines de millions de pièces individuelles qui sont toutes différentes et qui interagissent entre elles avec des schémas potentiellement extrêmement compliqués. Et surtout de manière non linéaire, voire chaotique. C'est-à-dire qu'un petit problème à un moment donné peut se propager et complètement mettre par terre l'ensemble des choses. Ce qu'on ne va pas trouver dans d'autres disciplines qui sont beaucoup plus continues. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a un écrou qui saute du pont que le pont va s'écrouler. Alors que là, l'équivalent dans un logiciel, un endroit qui pose un problème, peut potentiellement faire s'écrouler l'ensemble. Donc clairement, les logiciels sont aujourd'hui les choses les plus complexes qui ont été produites par le genre humain. Et donc ça donne une deuxième dimension de complexité. Et la troisième dimension de complexité, qui a à nouveau rien à voir avec les deux premières, est liée au fait que les logiciels ne sont pas seulement des objets mathématiques, mais ils sont plongés dans le monde réel. Ils sont plongés dans le monde réel, je dirais, ils sont pris en sandwich entre la machine sur laquelle ils s'exécutent et les humains qui les utilisent. Il y a un trou, un gap entre le logiciel, ce qu'on est capable de savoir, et la réalité de la machine, d'une part, et la réalité de ce que veulent les humains, de l'autre part. En particulier sur les grands logiciels qui ont de multiples parties prenantes, énormément d'utilisateurs qui ont des métiers différents qui doivent interagir, ça donne évidemment des exigences qui peuvent être contradictoires et qui sont extrêmement difficiles à prendre en compte pour le logiciel et qui sont source d'énormément de malentendus, qui sont une source terrible de bugs et d'évolutions dans les logiciels. Donc trois grosses dimensions de complexité qu'il faut arriver à gérer. Décortiquons maintenant le problème de la gestion de la complexité liée à la taille. Pour comprendre de quoi il s'agit, on va prendre, comme je vais le faire souvent dans ce cours, une analogie avec le monde réel et le génie civil. Imaginons par exemple qu'on ait besoin de traverser un ruisseau à pied sec, comme on voit dans cette illustration. On a un petit ruisseau qui passe là, et mon problème fonctionnel est que je veux traverser le ruisseau sans mouiller les pieds. Et donc pour ça, je vais par exemple simplement en prendre deux planches et les poser les unes sur les autres, et ça va résoudre mon problème. Alors évidemment, l'inconvénient de cette solution, c'est que dès qu'il pleut, mes planches sont mouillées. Dès qu'il y a un orage, le cours d'eau gonfle et risque fort d'emporter mes planches. Ça ne va pas être très stable. Donc si je suis un peu bricoleur, je peux améliorer ma solution. Je vais dans mon garage, je prends un marteau, des clous et du bois, et je suis capable de fabriquer une solution un petit peu meilleure qui permet de ne pas glisser quand il pleut en se tenant au garde-fou. Et puis le pont est incurvé de manière à ce que, en cas d'orage, l'eau puisse passer dessous. Donc là, j'ai une solution améliorée, qui est à la portée d'un bon bricoleur. Et quand j'ai fait ça, j'ai résolu mon problème sans aucun souci. Maintenant, imaginons que le ruisseau soit un petit peu plus large, et soit en fait une rivière, et que j'ai une contrainte supplémentaire, c'est que je dois, lorsque je veux pouvoir traverser à pied sec, je dois aussi faire en sorte que mon pont soit suffisamment haut pour laisser passer des bateaux dessous. Peut-être je vais arriver à cette architecture-là. D'accord ? Et donc là, ce qui est intéressant dans cette architecture, qui est à l'échelle humaine est extrêmement ancienne, hein, probablement au moins un ou deux millénaires, c'est que pour y arriver, eh bien, je ne peux pas juste aller dans mon garage, prendre un marteau et des clous et du bois, et résoudre le problème dans mon garage et le transporter sur le site. Pourquoi ? Parce que ma rivière est trop large, je ne peux pas faire ça. En fait, pour fabriquer ce pont-là, j'ai besoin de résoudre deux problèmes qui sont de nature complètement différente. Un premier problème qui est, comment est-ce que je fais pour que l'arche qui est comme ça, là, puisse tenir? C'est-à-dire que j'ai une hauteur suffisante pour qu'un bateau puisse traverser. En fait, tant qu'on n'a pas inventé le concept de clé de voûte qui va permettre de faire tenir, en fait, ce pont-là grâce à une pièce qui va avoir une forme incurvée de cette manière-là, là, et qui va venir ici, eh bien, je n'aurai pas la solution. Donc, j'ai la solution théorique. Et ensuite, la deuxième dimension du problème, c'est qu'une fois que j'ai la solution théorique, il faut que j'ai la solution pratique, qui est comment je fais pour construire mon pont. Parce que si je commence à construire et à empiler les pierres, il y a un moment, ça va tomber. Et évidemment, je peux pas que ma clé de voûte ne va pas tenir toute seule en l'air le temps que je construise le reste. Donc, comment est-ce que je fais?
Eh bien, nos ancêtres ont inventé une technique qui consiste à fabriquer un échafaudage de bois, par exemple, qui maintient le pont pendant sa construction, jusqu'au moment où on place la clé de voûte, et ensuite, une fois que le pont tient tout seul, je peux retirer l'échafaudage, et j'ai mon pont qui devient utilisable. Mais on voit que les techniques pour faire ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec celle-là. C'est-à-dire, j'ai pas juste besoin d'un bricoleur, j'ai besoin de réfléchir au processus, à la manière dont je fabrique quelque chose pour résoudre un problème qui est pourtant de même nature, comment je traverse le cours d'eau à pied sec. Et puis maintenant, si mon cours d'eau, c'est plus une rivière, mais un bras de mer, dans un endroit particulièrement sensible, par exemple, il y a fréquemment des tremblements de terre, ou bien il y a des différences de température qui sont énormes et qui induisent des contraintes sur les matériaux, une eau très froide et un temps très chaud, des tremblements de terre, du vent, eh bien peut-être je vais arriver à une solution un peu différente, par exemple celle du Golden Gate qu'on voit ici à San Francisco, où j'ai un bras de mer, et donc l'architecture que je vais choisir, c'est un pont qui va être suspendu de manière à, lorsqu'il y a un tremblement de terre, plier, mais ne pas rompre, et de même quand il y a du vent, etc. Et à nouveau, ce qu'on voit, c'est que le savoir-faire pour construire ce pont n'a absolument rien à voir avec le savoir-faire pour construire la passerelle qui est ici. En d'autres termes, ce n'est pas parce que je suis un bon bricoleur que je vais pouvoir passer à l'échelle pour résoudre des problèmes de grande taille. Le métier n'a rien à voir. Et en disant ça, il n'y a aucun mépris pour les bricoleurs, puisque le bricolage peut servir à résoudre des problèmes tout à fait intéressants et tout à fait réels dans certains cas. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de penser que le bricolage puisse passer à l'échelle. Ce n'est pas le cas en génie civil et ce n'est absolument pas le cas en informatique. Nous nous plaçons donc dans le contexte de logiciels complexes, c'est-à-dire de logiciels ayant a priori une grande taille, qui se comptent parfois en millions de lignes de code, qui sont développés par des équipes potentiellement nombreuses, où les gens ne se connaissent pas tous, travaillant dans des entreprises différentes, voire sur des continents différents. Ces logiciels ont en général une durée de vie importante, jusqu'à parfois 40 ou 50 ans, par exemple dans le contexte de l'aéronautique. Ces logiciels sont déclinés non pas en une seule version qui est la même pour tout le monde, mais dans des lignes de produits qui adaptent en fait les différentes variantes aux besoins des différentes clientèles, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'exemple des smartphones de la ligne de produits Samsung. Les plateformes technologiques qui sont utilisées et sur lesquelles on fait tourner ce logiciel sont elles-mêmes de plus en plus complexes et en évolution continue, c'est-à-dire de plus en plus fréquemment, jusqu'à parfois plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, voire dans les cas extrêmes comme chez Facebook, plusieurs fois par seconde, on déploie une nouvelle version du logiciel. Donc cette complexité et parfois la criticité du logiciel nous place dans un contexte particulier dans lesquels il va falloir gérer cette complexité. En science, la manière de gérer la complexité, c'est de s'appuyer sur la discipline de la modélisation. Un modèle, c'est simplement l'abstraction d'un aspect de la réalité dans un objectif donné. Donc on va faire comme dans toutes les sciences, on va prendre la réalité, ou plutôt dans le contexte du logiciel, un aspect du business qu'on veut automatiser, et puis on va en extraire la partie qui nous concerne et on va l'abstraire pour pouvoir la manipuler. Mais c'est rien d'autre de ce qu'on fait dans les autres sciences. Par exemple, si on prend en chimie, je m'intéresse aux réactions chimiques entre l'hydrogène et l'oxygène. Cette réaction est complexe. Je peux essayer de la faire en vrai en prenant une expérience avec une tonne d'oxygène, une tonne d'hydrogène, je craque une allumette, je regarde ce qui se passe. Et si je survis à l'explosion, peut-être je pourrais en tirer des choses. Donc de manière beaucoup moins violente, ce qu'on peut faire, c'est abstraire cette chose-là sous une forme, par exemple d'une formule chimique, là, qui dit que si on fait interagir deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène, on obtient de l'eau et un dégagement d'énergie. Évidemment, ça va être suffisant pour comprendre certains aspects de la réaction, mais peut-être pas tous. Mais c'est pas grave, pour ce qui nous intéresse à un moment donné, on va pouvoir raisonner sur cette partie-là. Donc l'abstraction d'un aspect de la réalité, c'est sélectionner la partie de ce qui nous intéresse dans un objectif donné, et puis travailler au bon niveau d'abstraction pour pouvoir résoudre le problème sans se prendre de plein fouet l'intégralité de la complexité du monde réel. Donc les modèles en informatique, ce sont des modèles qui vont servir à réfléchir, à mieux comprendre les systèmes que nous voulons développer, et comme on est incapable de les comprendre dans leur totalité, on va séparer ces modèles-là en parties qui vont être individuellement compréhensibles et qu'on va abstraire pour pouvoir les traiter avec nos capacités humaines.
un code de taille très importante, au-delà de quelques milliers de lignes. Aucune personne ne peut la comprendre dans son intégralité. Et donc, il est nécessaire, pour comprendre ce qui se passe, de simplifier et d'abstraire la réalité. Les objectifs généraux du cours, compte tenu de ce contexte, sont donc d'acquérir les bases de la modélisation, c'est-à-dire comment il est possible de définir un certain nombre de modèles orientés objets, qui sont plus ou moins abstraits, plus ou moins élaborés, mais qui décrivent tous une facette complémentaire du système à réaliser selon un point de vue ou un métier différent, dans l'objectif de préparer une conception et une réalisation dans un langage objet de type Java, Python, C#, etc. Donc, l'objectif général, ça va être d'affronter la complexité d'un projet informatique, allant au-delà de petites choses, avec le caveat que les projets que vous allez mener dans cette formation, les projets que vous allez faire ou les modèles que vous allez construire en TD et même en projet, ne seront jamais très complexes parce qu'on n'a pas matériellement le temps d'attaquer des systèmes très complexes. Et donc, en fait, on va vous montrer l'application de méthodes relativement avancées sur des choses qui sont trop simples pour en voir l'intérêt. C'est-à-dire, en gros, on va vous montrer des méthodes et des démarches qui permettent de construire des immeubles et des bâtiments complexes en vous demandant de les appliquer pour construire des niches pour le chien. Et donc, on va compter sur vous de faire un effort d'imagination pour transposer ça et jouer le jeu pour apprendre à gérer la complexité que, je répète, au niveau de l'université, vous verrez, en tout cas pas cette année, pas en pratique. Donc, ce cours introduit les notions de base de la modélisation de logiciels, avec un ensemble de notions qu'on va voir successivement, qui sont les objets, les classes, la modularité, les contrats, les associations, l'héritage, autrement appelé généralisation-spécialisation, les cas d'utilisation, les diagrammes de séquence, les automates. Et toutes ces notions seront illustrées dans le langage UML, Unified Modeling Language. Mais j'insiste sur le fait que ce cours est un cours de base de modélisation objet et pas un cours d'UML. Donc ce qui nous intéresse ici, ce sont les concepts. Il se trouve qu'aujourd'hui, on les exprime en UML, mais demain, on les exprimera peut-être dans un autre langage. Ça ne change pas les concepts. Pour rendre les choses concrètes, au lieu de simplement d'exprimer les concepts, nous allons utiliser une étude de cas comme fil rouge et nous allons voir au fur et à mesure comment, en partant d'un cahier des charges écrit en français, avoir une démarche systématique qui va permettre d'obtenir une analyse et une conception orientée objet. Il y aura donc deux manières de suivre ce cours-là. Soit vous pouvez aborder l'ensemble des concepts d'abord, puis passer à l'étude de cas, ou bien, je montrerai concrètement comment faire, introduire les concepts au fur et à mesure, on en aura besoin dans l'étude de cas. L'objectif au total sera d'être capable, à partir d'un cahier des charges exprimé en français ou en anglais, de construire de manière systématique, en appliquant une démarche pas à pas, un modèle d'analyse bien formé, exprimé en UML, afin de préparer une conception implantation dans un langage comme Java, C#, C++ ou autre. Cette approche est aujourd'hui aussi connue sous le nom de Domain Driven Design, c'est-à-dire on se concentre sur la modélisation du domaine avant de passer à l'implantation, qui est une mise en œuvre de ce domaine dans un logiciel.